Salut à tous, salut à toi. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait un court-métrage. Alors, dans cet épisode, on va voir les phases, les grandes phases de fabrication d'un court-métrage. Évidemment, je ne vais pas toutes les détailler. Je pourrais éventuellement, d'ailleurs, j'ai déjà fait quelques vidéos sur certaines de ces phases. Mais là, aujourd'hui, on va toutes les voir d'un point de vue vertical. Alors, la première phase, c'est l'écriture. Alors l'écriture, c'est vraiment un bloc tout entier que je ne pourrais pas développer dans cette vidéo. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais énormément me former et donc sur lequel je serais amené à refaire des vidéos sur des sujets soit précis, soit un petit peu plus méta. Mais si je peux te donner un conseil, et si tu es débutant, vraiment réfléchis quand tu écris à faire quelque chose qui soit réalisable, quelque chose que tu as les moyens de faire. Donc pas qu'il y ait des lieux improbables et impossibles à trouver, pas qu'il y ait des super effets spéciaux. Voilà, fais quelque chose d'assez réalisable et surtout ne fais pas de long métrage ou alors vraiment tu te diriges vers une carrière de scénariste et pourquoi pas, mais si vraiment tu veux réaliser ton œuvre, commence par un court métrage. Et même je pense que si tu veux devenir scénariste, commence par un court métrage, c'est important. Deuxième phase, la phase de pré-production. Alors la phase de pré-production, va y avoir beaucoup de choses à faire. Pour moi, c'est clairement la phase la plus importante. Pourquoi? Parce que en gros, si ta prépa est cool, ça va vraiment être le socle de tout ton film. Et si ta prépa est bancale, là, ça va être très complexe. C'est la phase où techniquement, tu as le plus de temps, donc faut vraiment que tu déchires bien cette phase. Alors cette phase, je vais pas la développer. En revanche, dans la description, tu auras un lien vers une vidéo qui explique un petit peu les différentes étapes de cette phase de pré-production, donc je t'invite à la regarder si tu n'es pas au courant. Ensuite, on arrive à la phase du tournage. La phase du tournage qui devrait bien se passer, hein, normalement, si vous avez bien géré votre phase de prépa. Mais voilà, la phase du tournage, c'est la phase qui est la plus courte, déjà, mais c'est aussi la plus intense. Pourquoi? Parce que t'es plus tout seul. T'es plus tout seul. Bon, en phase de prépa, tu peux avoir des gens qui sont avec toi, mais là, tu vas avoir beaucoup de monde. Tu vas avoir des techniciens qui, en plus, si tu fais un court-métrage autoproduit, j'ai fait un épisode, hein, sur les courts-métrages autoproduits, qui vraisemblablement, ça va être ce que tu vas faire si t'es débutant et même semi-pro. Bah, t'as des gens qui travaillent gratuitement pour toi, t'as des comédiens, t'as peut-être des impératifs de rendu de matériel, des impératifs de rendu de lieu. Quand tu fais une journée de tournage, bah, tu vas pas faire deux fois la même. Donc en gros, ta journée, t'as qu'une chance pour la réussir. Alors évidemment, tu vas avoir plein de prises, hein, pendant cette journée, mais voilà, cette journée, il faut qu'elle soit réussie parce que ça va être très complexe de refaire cette journée. Donc voilà, c'est la phase la plus intense, la plus aussi kiffante pour beaucoup, mais faut pas la sous-estimer. Donc déjà, tu la gères bien en prépa. Hein. Plus ta prépa sera bien faite, mieux tu pourras gérer cette phase de tournage. Et ensuite, je vais te donner quelques petits conseils. Donc le premier conseil, je me répète, mais c'est très important, c'est tu gères vraiment ta phase de prépa, parce que là, tu as un petit peu plus le temps, donc essaye d'anticiper, d'organiser au mieux possible ton tournage. Le deuxième conseil, c'est vraiment, tu vas devoir développer tes capacités de leader, de gestion d'équipe, c'est quelque chose qui est important. Troisième conseil, c'est plus là, gérer ta capacité de gestion émotionnelle. Si le capitaine du navire se met à stresser, à paniquer, tout le navire va paniquer. Donc vraiment, faut pas qu'on ressente que tu es stressé, que tu n'es pas bien pendant ce tournage. Et le dernier conseil, c'est avoir de l'expérience. Donc l'expérience, c'est avoir fait des tournages. Soit des tournages en tant que réal, soit des tournages en tant que technicien. Mais plus tu vas faire de tournages, plus cette phase, elle va être facile et naturelle à gérer. Je reviens très rapidement sur la prépa. La prépa, il faudra que tu aies géré la partie logistique, hein, évidemment, mais aussi la partie artistique. Donc la partie logistique avec voilà, feuille de service, qui vient un tel jour, comment on fait pour les lieux, la bouffe, le matériel, tutti quanti, quel plan on tourne en premier. Et la partie artistique aussi, notamment avec le découpage technique, mais aussi les répétitions. Si tu as pu faire tes répétitions en amont, ça va te faire vraiment gagner du temps sur le tournage, donc sous-estime pas les répétitions. Dernière phase, la phase de post-prod. Alors la phase de post-production, il va y avoir plusieurs étapes. Déjà, le backup, hein, on n'oublie pas les bons vieux backups, et quand je dis backup, c'est le double backup, hein, pour pas perdre ses rushs. Ça nous est tous arrivé dans la vidéo de cramer un disque, de perdre une carte, de quoi que ce soit, donc tu sécurises et tu fais un double backup. Ensuite, il va y avoir la phase de dérush et de tri et de rangement de tes rushs, hein, dans ton logiciel de montage, quel que soit le logiciel que tu utilises, donc Final Cut, Adobe, Avid peut-être, ou DaVinci qui arrive en force dans les logiciels de montage. Ensuite, il va y avoir le montage en lui-même, hein, donc d'abord par séquence, hein, tu vas d'abord monter tes différentes séquences et ensuite tu vas lier toutes tes séquences pour en faire ton film. La phase de VFX, si t'en as, donc VFX, voilà, des effets spéciaux, des habillages quelconques. La phase de mixage et d'habillage son. Alors ça, la phase d'habillage son pourra aussi se faire pendant le montage, mais en tout cas, la phase de mixage se fera après, hein, tu exporteras un OMF à
à ton mixeur son, et enfin la phase d'étalonnage. Alors voilà, tu connais les quatre grandes phases d'un film, hein, donc d'abord l'écriture, ensuite la pré-production, ensuite le tournage et ensuite la post-production, et tu vas voir que dans ces phases, bah, y a plusieurs étapes. J'en ai déjà traité sur la chaîne. J'ai un petit guide dans la description, donc si tu veux le télécharger, bah, c'est une petite méthode qui t'aide à tourner, parce que au début, voilà, l'idée, c'est pas forcément de respecter toutes ces phases à la lettre. Plus t'es professionnel, plus il y aura d'étapes et de sous-étapes. Mais au début, quand tu commences, voilà, l'idée, c'est vraiment de tourner et de faire un film pour te mettre dedans. Et ensuite, petit à petit, voilà, tu augmentes, tu montes en puissance dans tes productions. Donc voilà, si t'as pas trop l'habitude des tournages, que t'es débutant, que ça t'intéresse l'audiovisuel, télécharge ce petit guide parce qu'il te donnera une méthode voilà, pour tourner rapidement. Alors, ce sera pas un chef-d'œuvre, mais au moins, tu feras ta première production et bah, ça sera peut-être le début d'une longue lignée et qui monteront toujours en puissance. En attendant, si tu as des questions sur le court-métrage, hein, quelle que soit sa phase, n'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. N'hésite pas à liker aussi parce que tu sais que ça me fait plaisir. L'abonnement aussi me fait énormément plaisir. Alors, on va bientôt déplacer les 7000 abonnés. Moi, c'est vraiment ce qui me motive, tous ces abonnés, tous ces likes, tous ces commentaires, à continuer à produire du contenu parce que mine de rien, ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'ai tout dit. Bah, du coup, je peux te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !